Salut tout le monde, je vous fais la vidéo du WOD de mercredi, du coup, WOD qui sera pas évident à comprendre, mais je vous l'expliquerai en fin de vidéo, d'accord? Quoi qu'il en soit, il sera marqué dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude sur YouTube, dans la partie commentaire en dessous. Je vous dis, du coup, pour les trois mouvements du WOD, aujourd'hui ce sera des dips, donc je ferai les dips sur le banc, ce sera du deadlift, du single leg deadlift, donc deadlift sur une jambe, et des fentes avec une position overhead, avec votre bâton, une barre à vide ou une barre qui sera très peu chargée, d'accord? Chargez pas votre barre à plus de 40 kg par exemple, les gars, 30 kg les filles, pas plus que ça, puisque le but ça sera vraiment de faire beaucoup de reps, et de pas avoir à breaker. Et voilà, sinon c'est un bâton, un balai, une perche à peinture, quoi que ce soit, une pioche, n'importe quoi, tout ce que vous avez chez vous, ça marche aussi comme depuis le début du confinement, d'accord? Je vous expliquerai donc le format et la façon de faire les WOD et le nombre de reps tout à l'heure. Je vais vous parler de l'échauffement dans un premier temps. Alors, comme d'habitude, après avoir fait votre mobilité qui sera cette fois-ci axée sur la partie fessier, ischio, c'est très important pour le single deadlift et l'éléphant, d'accord? Donc on axe bien vraiment chaîne postérieure. Sinon n'hésitez pas aussi un petit peu de mobilité pour la partie overhead. Alors la mobilité, j'en parle jamais sur les vidéos, mais vous savez quoi faire en mobilité, on en fait assez souvent à la salle, donc vous savez quoi faire pour vous préparer à l'échauffement et au WOD pour le WOD du jour, hein, d'accord. Pour la partie warm-up, on aura 4 rounds à faire de 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est du gainage, donc c'est un plank sur les coudes sur lequel on va venir arriver à une position bras tendus. Donc là on écarte un petit peu les pieds, je suis en position de gainage et je viens faire, je monte, bras tendu, je redescends, ça fait 1, 2. On a une petite option pour ce mouvement là qui sera peut-être un petit peu plus dur mais qui est faisable pour ceux qui sont à l'aise là-dessus, c'est de venir ici, poser les mains à plat sur le sol et monter directement avec les deux bras en même temps. 1, 2, 3, d'accord. Donc on fera 10 reps, ça c'était le premier mouvement de l'échauffement. Deuxième mouvement de l'échauffement, du side plank, c'est on sera en gainage sur le côté, sur le coude ou sur la main, je vais vous l'expliquer. Et là on va faire des knees to elbow, on va venir toucher le coude avec le genou. Donc pour ça il faut monter la jambe, descendre le bras en même temps, je vous montre. On est sur le coude, ici position de gainage, bras tendu au-dessus de la tête. Et là je viens faire 1, 2, 3, d'accord, même chose, qui sera peut-être un petit peu plus dur parce que moins stable, on écarte bien tous les doigts pour avoir le plus de stabilité possible au sol, mais du coup cette fois-ci bras tendu, 1, 2, 3, et donc 10 reps à droite, même chose, 10 reps à gauche, ok, voilà, ça marche, donc 10 au début, là 10 reps sur le côté droit, 10 reps sur le côté gauche, et même chose pour le troisième mouvement, c'est des single leg bridge, on va faire le pont avec une seule jambe au sol, et cette fois-ci ce sera la même chose, 10 reps à droite, 10 reps à gauche. Donc position du pont au sol, sans forcément appuyer sur le sol avec les bras, donc vous laissez vos bras pendre, sinon on vient les croiser sur la poitrine. On tend une jambe, et là je vais monter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'un côté, 10 de l'autre. N'hésitez pas à marquer un petit temps d'arrêt sur le haut du mouvement quand vous avez fini votre extension, on serre bien les fesses, on garde la jambe qui est en l'air bien tendue, on marque un petit temps d'arrêt et on redescend pour faire la suite, d'accord. Ça c'était pour la partie échauffement, donc je rappelle, on a 4 rounds à faire. Une fois que vous aurez fait ça, normalement vous serez plus ou moins chaud, sauf de la partie triceps, donc n'hésitez pas à tester quand même sur la chaise ou sur le banc pour la partie triceps. Je vous montre du coup les 3 mouvements du WOD, on va commencer du coup pour les dips. Bah, les dips, pareil, on en fait beaucoup depuis le début du confinement, soit jambes tendues, je descends mais mes jambes se déverrouillent un peu parce que si vous gardez les jambes tendues, là vous allez avoir le bas du dos qui croque la chaise et sinon ça veut dire que vous allez vous tenir trop loin, d'accord. Donc là mes jambes se plient, je viens toucher les fesses au sol, je retends, d'accord. Donc on n'hésite pas à adapter la hauteur aussi pour que ce soit plus ou moins dur ou facile, ok. Si ça c'est trop compliqué ou ça va pas, vous pouvez aussi prendre 2 chaises pour vous mettre sur le côté plutôt que d'avoir les mains derrière, d'accord. Ça c'est pour la partie dips. Donc là, rien de compliqué, on va devoir faire un max de reps à un moment donné, et donc l'idée c'est de faire le plus de reps possible avec le moins de récup. Okay, pour la position overhead, on prend une prise arrachée sur son balai, on vient se mettre en overhead, d'accord. Deuxième mouvement, ce sera les fentes, on en a parlé tout à l'heure, on casse le poignet vers l'arrière, je gonfle la poitrine, je suis en rétroversion, en rotation interne de mes épaules, d'accord. Et là je vais venir faire mes fentes en overhead. Donc l'idée, même chose, je vous l'expliquerai tout à l'heure, comme on n'a pas beaucoup de charge, il faudra faire son mouvement le plus vite possible. Toujours pareil sur les fentes, c'est genou au contact du sol, on est stable sur les pieds, on n'est pas sur la même ligne, on va garder son écartement de hanche, d'accord. Le pied bien à plat devant, on pousse dans le talon de la jambe de devant,
pour retrouver une position debout et j'enchaîne avec l'autre jambe. Ça marche ? Dernier mouvement, le single leg deadlift. On peut garder une prise d'arraché, mais si on veut, on peut aussi venir chercher une prise largeur épaule ou un peu plus. Ok ? Hook grip ou pas, attendez qu'il n'y a pas de poids, vous n'êtes pas forcément obligé de faire votre hook grip. Et là, en gardant bien son dos droit, on va venir déverrouiller légèrement la jambe et pousser les fesses vers l'arrière pour venir faire son deadlift sur une seule jambe. Je vous montre de profil. Là, je descends. Donc c'est petite flexion de jambe, grosse flexion de hanche, mais gardez le dos droit. Je descends à peu près à hauteur mi-tibia et je remonte. Même chose avec l'autre jambe, d'accord ? Je descends, je remonte. Ça marche ? Pas nécessairement obligé de venir retrouver un contact au sol avec le pied de la jambe qui était libre en l'air, d'accord ? On peut venir descendre et retrouver une position alignée sans forcément poser le pied au sol pour repartir plus vite, d'accord ? Voilà simplement pour les mouvements, pour le format du WOD. Je vous explique, vous aurez 4 parties de 3 minutes, entrecoupées d'une minute de récup entre chaque. Sur la première partie, vous devrez faire 20 single leg deadlift, donc 20 deadlift en tout, c'est 10 sur la jambe droite, 10 sur la jambe gauche, on n'alterne pas, c'est vraiment 10 à droite, dès que j'ai fini mes 10, je fais 10 à gauche, ok? Ensuite, vous ferez 20 dips, donc on se place sur la chaise, on fait 20 dips, unbroken ou pas, d'accord? Et dans le temps qui reste, il va falloir faire un maximum de overhead lunges. Quand vous êtes sur les overhead lunges, comme c'est un mouvement qui est en alterné, vous ne posez pas la question de savoir si on en fait plus à droite ou plus à gauche, comme vous alternez normalement, c'est 10 à droite, 10 à... c'est autant à droite qu'à gauche, je veux dire, d'accord ? Et on fait un max d'overhead jusqu'à la fin des 3 minutes. À la fin des 3 minutes, on a une minute de récup et on a à nouveau 3 minutes sur lesquelles on va devoir faire 20 dips. On vous l'expliquera, hein. Ça sera marqué, n'hésitez pas à vous le marquer sur un papier, un crayon avant de commencer l'autre pour ne pas être perdu. On commence le deuxième bloc par 20 dips, on fait ensuite 20 overhead lunges, donc on fait ces 20 fentes avec la prise en overhead et on fait un max de single leg deadlift. Sur les single leg deadlift, comme vous faites un côté puis l'autre, essayez de breaker tous les 10 éventuellement. D'accord ? Je fais 10 à droite, 10 à gauche, 10 à droite, 10 à gauche jusqu'à la fin des 3 minutes. Même chose, une minute de récup, on retourne sur un bloc de 3 minutes et vous vous en doutez, sur le bloc de 3 minutes, on fait 20 overhead lunges, on fait 20 single leg deadlift, donc les soulevés de terre sur une jambe, on en fait 10 à droite et 10 à gauche et dans le temps qui reste, un maximum de dips. D'accord ? Même chose, ne prenez pas trop de récup, dans 3 minutes, c'est très court. Vous avez eu quand même malgré tout une minute de récup, donc c'est sprint, on y va, on va vraiment vite sur les reps, autant sur le deadlift que sur les fentes que sur les dips. D'accord ? Dernier bloc, après avoir eu à nouveau une minute de récup, le dernier bloc c'est 3 minutes aussi. Par contre, ça place en AMRAP et cette fois-ci, ça sera un AMRAP de 20 single leg deadlift, 20 fentes et 20 dips. Quand vous avez fait 20 dips, on retourne sur le deadlift, deadlift, fente, dips, deadlift, fente, dips, deadlift, fente, dips. D'accord ? Et ça sera un AMRAP. Alors, c'est qu'un AMRAP de 3 minutes. Je pense qu'il y en a qui vont pas faire plus de 2 tours. Donc, c'est pas grave, mais c'est le dernier bloc de 3 minutes, c'est un AMRAP. Quand ça, c'est fini, normalement, ça vous fait 15 minutes de WOD, c'est terminé. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous prendrez du plaisir sur ce WOD-là. A plus tard, ciao, bonne journée.